Bonjour, mon nom est Blaise Dubois, je suis physiothérapeute spécialisé dans la prévention et le traitement des blessures en course à pied. Aujourd'hui, nous allons voir le traitement de la tendinopathie rotulienne par le travail excentrique. Pour faire cet exercice, la jambe pathologique travaillera en excentrique lors de la descente de la marche en alignant le genou avec le pied. La jambe saine, elle, travaillera pour remonter sur la marche du haut. Pour progresser cet exercice vers une gestuelle plus fonctionnelle, nous pourrons faire cet exercice sur un plan incliné ou simplement élever le talon. Encore une fois, nous insisterons sur le bon alignement genou-pied et la bonne stabilisation du pied et du bassin. Pour augmenter la difficulté de l'exercice, nous pourrons utiliser la charge, la vitesse d'exécution ou encore utiliser un élastique. Une bonne manière de stimuler les muscles responsables du bon alignement est de résister volontairement contre une force qui tend d'exagérer le vecteur valgus du genou. J'espère que cette capsule vous aidera dans le suivi de vos patients coureurs. Si vous désirez avoir plus d'informations sur la prévention et le traitement des blessures en course à pied, contactez-nous à laclinique-du-coureur.com.